どんなにどんなに寂しい風が心吹き荒らして The playing bunkers and bases, baby!Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de Tiny Tina's Wonderlands. Je suis heureux de vous retrouver pour cette folle aventure. Nous sommes à la partie 6 des vidéos. Voilà, donc pour toi qui es nouveau, et bien écoute ou nouvelle, pense à t'abonner, à activer la cloche des notifications, ça fait plaisir. C'est gratuit, vas-y lâche-toi, lâche ton plus beau pouce bleu. Les deux gros orteils balancent du lourd. Et donc pour tout le monde, on se prend à boire, à manger, à l'aise dans le canapé, vous le savez, jamais le ventre vide. Dans le noir pour avoir une meilleure qualité d'image et être plus imprégné dans le jeu. Et nous démarrons de là, la One Again Beast to Fly, on n'a pas peur, on est des rappeurs, yes birdie, toi mon ami derrière l'écran, allez go commande, on y va. Donc j'ai vu, avant d'y aller, j'ai vu que j'avais des points de talent, je voulais les mettre avec vous. Donc on en a un là, on va se balancer quoi là comme point? Ça c'est important. Allez, super. Et nous devons aller retrouver la forgeronne. Donc on va faire un petit tour. La forgeronne, c'est là où il y a une forge. Normalement on peut pas rentrer là. On peut pas rentrer. Ça c'est mal foutu je trouve par contre. Ils auraient pu assez là-bas. J'aurais pu faire en sorte qu'on puisse rentrer dans toutes les baraques, mais qui bon. Qui sait? Je vois rien. J'ai de la suie dans les yeux. Bijour, bijour. Oh, vous savez, je suis juste le miracle de sabot ardent. Je commence à faire mon trou. Ça alors, c'est la première fois que je croise une main du destin. Ah. Il va vous falloir du meilleur matériel. C'est la main du destin. Bon, je ne peux pas vous vendre d'armes ou d'armure moi-même. J'ai un contrat d'exclusivité avec la couronne pour alimenter les distributeurs. Oui, je suis fier d'appartenir au complexe militaro-pré-industriel. Mmh. Mais je peux vous proposer d'optimiser votre inventaire. Plus de balles, plus de butins, plus de joie. Ouais, un petit échantillon de mes services, c'est moi qui régale. Ah ben, si c'est gratuit, alors? La forge est votre meilleur allié. Elle affûtera vos talents et saura vous faire fondre. Ouais, ben, c'est tout. Tout le monde a besoin d'instruments de destruction. Qui serais-je pour les en priver? Bon, allez, on se casse. C'est bon, tu m'as énervé. Hop, c'est là qu'on sert. Allez, c'est gratuit. Ah, mais... Ça tourne pas. Bah. Augmente permanent de la quantité. Ah ouais, c'est top. Donc ça, c'est tout gratuit, en fait. Oh là là, mais c'est bien. Et on peut... On peut acheter tout ce qu'on veut. Ah ça, ça coûte 1000. Ah ouais, ok. Ah maintenant c'est tout payant, mais c'est pas grave ça. Voilà. Le premier était gratos en fait, c'est une arnaque. Putain, c'est terrible. Heureusement que j'ai du pognon. On devient de toute façon la quantité de munitions, fusées à pompe. C'est quoi, ça augmente de 1 de façon permanente la quantité d'objets que vous pouvez transporter dans votre butin oublié. Mitraillette, putain. Oh, on achète de tout. Hein. Fusil de précision, ah, elle est là, ok. Ah là là, je fais mes courses, hein, c'est pas quoi prendre. Hein. Les sacs, je suis toujours vide, alors... À 27 000 ? Oh là là, il m'a fait peur. 2000 ish, là, putain, c'est terrible. On va s'arrêter là. Ah bah ouais, carrément. Puisque vous êtes dans le coin, passez donc voir la charmante nana qui tient la taverne à soda. Elle s'appelle Izzy. Oh, elle et m'offre ses une bière. Les sodas sont à tomber par terre. Elle va m'offrir une bière. Allez, on y va. Lizzy, où es-tu? Il n'y a pas grand monde dans le village. Hein. Ça se bouscule pas au portillon. Hein.
La taverne, c'est où? C'est pas là, mais il y a un coffre. Hop là. La taverne à soda. Mais où est-ce? Promenade du colporteur. Putain, c'est pas où c'est quoi, les amis. On a une quête là déjà. Ah ben c'est là sûrement, regardez. Eh ouais, c'est là. Bar à bubu là, ben alors. La tenancière vous fait signe d'approcher. De ce petit geste caractéristique des tenancières. Bien le bonjour. Bonjour madame. Une drôle de tête, madame. Bar à bubule, où l'on ne peut commander que des sodas et rien d'autre. Ah bon? C'est bien vous, la main du destin qui a banni tous ces maudits squelettes. Ma réputation me précède, et en bien pour une fois. Ouais, bah je vous remercie pas. La moitié de la ville s'est barricadée ici à descendre des diabolos grenadines comme si demain n'existait pas. Je vous fais marcher, main du destin. Vous nous avez rendu un fier service. Bref, pour vous remercier d'avoir sauvé la ville, je vous donne accès aux équipements de notre taverne à soda. Ah. Voici un kiosque modif éclair magique, si vous souhaitez modifier quelque chose vous concernant. Bizarrement, c'est gratuit. Oh, c'est gratuit, j'y vais alors. Caractéristiques du visage, attendez, il y a quoi dedans? Oh, couleur des cheveux. On voit pas trop la différence en fait, hein. J'ai envie de dire. Ah, renommer le familier. À accepter. Ah ben super, c'est top comme ça. Allez, on y va, on se casse de là. On a vu, c'était gratuit en plus, c'est top. Ici, nous avons le très populaire collecteur de butins perdus. Oh. Les meilleurs objets lâchés par vos ennemis et ayant échappé à votre vigilance apparaîtront ici. Ah. Et pour finir, on a tout un tas de citoyens qui pourraient avoir besoin de votre aide dans le royaume. Certains traînent justement dans la taverne et d'autres collent leurs annonces dans la ville. Mm-hmm. On grouille de monde et je tire des pintes sans alcool à la chaîne depuis ce matin. Oh, mais je vous tiens la jambe alors que vous avez tant à faire. Je vous souhaite une pétillante journée. Ah ben merci, Izzy. J'ai une surprise pour vous. La reine est tellement épatée qu'elle veut vous adouber. Non. Vous faites pas semblant, vous. Rejoignez-nous, place de la Crinière. Bon, on a fait la quête des villes de Valentine. Maintenant, on va piller la région parce que je veux du butin. Quoi? Mais non, les héros ne pillent pas, enfin. Attendez, on a presque fini la quête. Je veux voir ce que ça va donner. Bah voyons. J'ai une mission annexe quelque part là. Non? Il y en a plusieurs. Ah mais c'est ça, ok, d'accord. Ah, accepté. Ben voilà toutes les quêtes. Bonjour sale pauvre. J'ai un souci de gobelin. Rendez-vous à ma ferme si vous avez soif d'argent et de violence. Direction mon jardin aromatique. Et que ça saute. D'accord, madame. Donc, par contre, les missions annexes, je pense que j'en ferai certaines en live, en... sur YouTube, et d'autres, ça sera, hein, vous comprenez, en off. Y'a rien d'autre? Bon. On va aller sur la place. Je peux te parler encore? Si vous avez faim, on a des biscuits, des gâteaux et des glaces. Et du McDo? Non? Bon, tu sers à rien, allez. Donc, attendez. On ouvre la carte, on va vite regarder. Hein? Pourquoi je peux pas remonter? D'accord, mon truc a bugué. Voilà, merci. Quête principale. Super.
Je vais me faire adouber. Yeah. Donc comment si comme moi tu voudrais être adoubé. Et pour avoir sauvé Sabo Ardent, Sa Majesté la Reine, étalon du cul, vous nomme chevalier de son royaume. Oh merci, étalon du cul, c'est trop bon. T'es trop brave. Excellent. À genoux, qu'elle vous adoube. Oui, Mike, le paladin. Adoube-moi. Ben, que se trompe-t-il? Pas si vite, Bleuzaïn. Non, mais... Ce monde m'appartient désormais. Ben, t'es fou, toi, t'es fou, qui tu es? Oh non, la reine. Oh mon Dieu. Je crois que j'ai perdu la tête depuis que j'ai eu Suzette. Non. C'est un cauchemar. À peine arrivé dans ce monde féerique, j'en ai voilà. Assez qu'on écrive mon histoire à ma place. L'ère des héros touche à sa fin. Et bientôt, tout son monde s'écroulera. On peut lui recoller la tête. Non. Oh, ça perd l'hippopète, j'ai envie de dire. Oh non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. La reine est morte. La reine, elle a perdu la tête. Elle a perdu la tête. Comment t'as pu, Gina ? C'était pas moi, c'était pas prévu comme ça. Ouais, c'était pas moi, j'étais pas là pour le crime. Elle comptait vraiment te resservir le sempiternel même périple des héros. Eh bien, pas cette fois. Cette fois, j'ai mon mot à dire. Oh, I am shocking. La main du destin est perdue. Ce qui, jadis, semblait si certain apparaît à présent fragile et précaire. Peut-être. Et pourtant, parmi les décombres, une vérité demeure. Il faut arrêter les forces du mal. Eh oui. Ok, bon, alors, un gros boom des familles résonne. Oui. Bon. Il y a eu un gros boom, je l'ai entendu. Maintenant ça vient de derrière les quais. Allez, main du destin. J'ai bien peur que vous ayez du boulot. Elle m'aimait de tout son cœur, scintillant. Elle me manque tellement. Ouais, mais attendez, je crois que j'ai oublié un C à Valencia. Parce que Valinia, ça le fait pas. C'est où déjà? C'est là. Valencia Verdi, on est bien. Allez, foutez-moi le camp! Ouais, mais je me casse, hein, tu sers à rien, toi, tu cries tout le temps. Allez. Où es-tu? Mike? Mike où? Mikey? Paladin? Les environs du port. L'environ du cochon, le port. Oh non. La peur amide s'est réveillée. Oui, la peur amide. Je la connais comme ma poche. Mais ouais. Les habitants vont avoir besoin d'une explication. La terrible citadelle du Seigneur Dragon, de l'autre côté de l'océan. Avec la lame des âmes. Il va pouvoir aspirer l'énergie spirituelle de tous les êtres vivants du royaume. Oh, mon Dieu. Sans la reine, nous sommes condamnés. Hé, hey, demande-lui si l'adoubement est toujours d'actualité. Fred, on est en deuil, là. Toi, tu es en deuil. Moi, je veux qu'on me fasse chevalier, comme promis. Je sais bien qu'il y a une période de deuil à respecter, mais pour l'adoubement, c'est toujours OK? Seule notre reine avait le pouvoir de nommer des chevaliers. Oh ben non. Mais vous méritez une distinction pour ce que vous avez fait et pour ce qui vous attend. À genoux, main du destin. Oui. Ou accroupissez-vous si vous avez de l'arthrose. C'est de l'arthrose, je m'accroupis. En tant que défenseur régent de Sabo Ardent. Arrête, tu aurais dû me tuer. Je vous nomme page du royaume.
Page ? Page ? C'est quoi ce nom pourri là ? C'est clair. Je sais que c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Bah, je veux pas être page. C'est quoi page ? À sauver le royaume tout entier. Rien que ça. Rejoignez la pyramide, reprenez la lame des âmes et vengez notre reine. Il va vous falloir un navire. Allez voir la maîtresse de port. Elle mettra toutes nos ressources à votre disposition, main du destin. La vie n'est plus la même sans notre reine. Qui vais-je pouvoir vénérer à présent ? Moi ? Les dieux anciens ? Oh non, pas cette bande de bras cassés ! Ben non, mais moi, arrête, moi. Donc. Hé ! Bonjour à vous, page du royaume. Bonjour, maîtresse du port. De port. Salut ! J'ai besoin de traverser l'océan. On m'a dit le plus grand bien de vos bateaux. Construisons sans tarder. Venez assembler votre nouveau navire ici sur le quai. Oui. Oh là là là. Elle fait des grands gestes, hein. Oh my god. Attendez, il y a des trucs que j'ai pas fabriqués, voilà. C'est le navire de toutes les mers. Ah ben. C'est une épave. N'importe quoi. Oh, je vais baptiser loin. Notre fier navire Balzania. Oh là là. Attendez. Là. Avant de partir, vous devez faire bénir le bateau par un barde. Ça empêchera Drill, l'étreinte des mers, de vous attirer tout au fond des flots. Ah ouais. Sérieux? Mais on était prêt à prendre le large, on s'en fiche des malédictions marines. C'est comme ça que ça marche, basta. Si tu suis pas les règles, tu te feras engloutir. Malheureusement, notre barde d'astreinte a disparu pendant l'invasion. La mort est la plus cruelle des critiques. Hein? Ah non, pas du tout. Il est tombé amoureux d'un squelette et a filé avec. Non. Une seule autre personne est capable de bénir votre navire, mais ce n'est qu'un demi-barde. Enfin bon, c'est peut-être votre seule chance de traverser l'océan. La dernière fois que j'ai vu le demi-barde, il partait vers la fraîcheur des sanglots. Ses bois sont implacables. Trouvez-le. Enfin, okay. S'il est encore en vie. D'accord. Oh, la fraîcheur des sanglots. Ça a l'air dangereux. Ça me plaît. Ouais, c'est une immense forêt magique. Notre fière Balzania ne craint pas les malédictions. Levez l'ancre. Ok, mais on va couler à pic. Le fier Balzania quitte le port. Le vent dans les voiles et la peau pointée vers votre destinée. Vous commencez votre traversée pour... Oups. Non, vous avez... Non. Oh, je suis choqué. I am shocking, quoi. Vous avez bien expliqué l'importance de la bénédiction du barde, n'est-ce pas? Ok, merde. Ça va. On va le trouver, votre barde. Mais après, cap sur la vraie quête pour aller sauver le monde. En attendant, je vais envoyer les gobelins remonter votre embarcation du fond du port. Wow, je suis deg, quoi. Oh. Bon, le barde, t'es où? On va ouvrir la carte, ça sera peut-être plus simple. Trouver le barde. Ah! Ok, tout derrière. Allez, zou. Là, ce qu'on va faire, on va prendre la quête annexe aussi, même si je la fais pas avec vous. La révolution approche! Rejoignez la brigade contre les brutalités faites aux gobelins pour renverser le pouvoir en place! Ouais. BCBG! 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 Eh, les gars, qu'est-ce que... Eh, les fadas ou quoi? On avait dit qu'on scandait nos revendications! Ah. Les pauvres gobelins opprimés du mont Jabot. Allez les voir et tentez d'apaiser leurs souffrances. Donc à mon avis, ouais, faut passer par là-bas, regardez. La porte du châtaignier, ok, il est là-dedans, le bougre. Bon, donc commentez, likez, n'oubliez pas, mettez-moi bien ce que vous pensez du jeu, voilà, si vous aimez, si vous l'avez fait. Si vous l'avez fini, avec quelle classe, lâchez-vous, hein, écoutez. C'est bien de partager ensemble.
vidéo. Vous voyez un artisan qui a l'air préoccupé. C'est quand on s'apprête à être occupé. Non, pas du tout. Tu veux parier? Je suis bigrement préoccupé. Allez. J'espère que vous n'aviez pas l'intention de traverser la rivière. J'étais venu réparer le pont. Mais des vauriens m'ont volé mes schémas de construction magique avant de se terrer dans leur grotte lugubre. Vous pourriez les récupérer pour moi. Ah oui, parce que j'ai besoin du pont en fait. Allez, filez. Ah ouais, j'ai besoin du pont. Mais comment vais-je faire? Bon, écoutez, on va déjà passer là. Hé, hey, vous, là! Oui. Aidez-moi à faire avancer la science. Ok. Le progrès n'attend pas. Mes frères pensent qu'ils peuvent pas faire l'alchimie. Allez. Début de l'affrontement. Valencia Birdie, vas-y, envoie du lourd. Hein. Allez, allez. Il lui restait 3 semaines avant de mourir dans son sommeil à l'âge canonique de 35 ans. On va se marrer. Quoi? C'est tout? Je rechargerai quand j'en aurai envie, figé. Dans la tête, cacahuète. Tu fais moins le fier, là. Au revoir, adios. Excellent. Par contre, tu voudrais pas m'aider, Valencia Birdie, là Ah, ça serait bien, non? Un petit peu, non? Vas-y, ça te dit rien, hein, si tu veux pas, je te porte pas. Celle qui nous a conféré des flingues. J'ai tué pire que toi, il y a quelques heures à peine. Ça fait froid, t'as froid? Ah ben maintenant t'as plus froid, hein, il est mort. L'un d'entre nous va passer un très mauvais moment. Ouais, c'est des ninjas, ça. Oh mon dieu. Allez, lui, il est mort, hein. Regardez. Hop là. Faut pas si vite, ça sert à rien. Tout le monde va y passer. Yeah, les amis. Ils ont piété sur mon espace vital. On va voir ce qu'on peut récupérer. Bon, de toute façon, le plus important, c'est dans les coffres. Voilà, tranquille. Mais qui y a-t-il donc dans ce coffre? Oh, oh. C'est du vert, 144. C'est du violet 100, je sais pas si ça va aller mieux. Allez, on sort de là. Ah, il y a encore un. Et oui, c'est vrai que c'est une mission. T'as froid? T'as froid? Arrête de gémir comme ça, voyons donc. Tu vas mourir. Allez. Je suis là, bougre de couillonne.
Alors, on attend pas papa, maman ou Patrick. Ah, j'ai plus de mun, ok. Allez, dans la tête. Non mais... Vous êtes sérieux? Qui a envie de s'amuser? Comme ça, l'air sympa, je vais te tuer rapidement. Un peu de patience, pendant que je t'interdis de rage quit. Voilà monsieur, j'ai mouru, ouais ouais, t'as mouru comme t'as vécu. Et t'as mouru comme un con, donc t'as vécu comme un con. Eh oui. Oh là là, cette arme. Il lui en faut combien quoi? Yeah, super. Bon. On va récupérer tout ça les amis. Waouh. J'ai failli mourir, hein, j'ai failli mourir. Donc, yeah, saute vol, je vole saute. Allez, j'ai envie de récupérer notre dû. Oh yeah, c'est top, c'est top, c'est top. Qu'y a-t-il dans ce coffre? Schéma de pont. Ah ben voilà. Vous avez les schémas. L'objet de quête les amis, l'objet de quête, c'est royal. Et toi, t'as la même tenue que moi. T'as de la chance, suis. J'ai une good vibe là, sinon je te défonçais ta tête hein, pour m'avoir copyright. Allez. Monsieur, monsieur. Bonjour. Ou bonsoir, c'est pareil de façon. Bah, tout dépend à quelle heure on regarde la vidéo. Hein. Ah, mais bonjour, schéma, bonjour. Je ne sais comment vous remercier. J'aime ces schémas de tout mon cœur, au sens romantique du terme. Je vis une relation polyamoureuse avec mes esquisses. Ah. Allez, réparons ce pont magique, mes amours. Oh là là, c'est de toute beauté, regardez-moi ça. Oh là là. Pour unir le monde. Passez une bonne journée, mais tâchez de ne pas mourir. Oh le pont. Le pont est magnifique les amis. Oh là 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 là, il est magnifique. Regardez-moi ça, regarde Verdi. Un pont arc-en-ciel, comme c'est de toute beauté. Sensible démon, ok. Bon, pendant qu'on est là, je voulais vite aller voir, il y avait un passage où on pouvait pas passer la dernière fois. Est-ce que du coup, ça a débloqué? Attendez, on a une mission ici. Salut la groupie!
salut toi, hein, ça va, ça farce. Tu dois publier sur ma chaîne. Ouais, ben toi, like, like et commente. Première influenceuse de l'histoire. En d'autres termes, je suis Belle-Bédance professionnelle. Puisque mes fans rêvent de me voir, tu vas graver mon portrait sur des rochers. Waouh. Tu veux que je grave ton portrait sur un rocher? Voilà. T'as pris mon bon profil. Ah, toujours. Et après, tu veux quoi d'autre? Hein? C'est tout? Tu me parles ou je te cogne? Je te cogne, putain, je te cogne. Non, c'est tout ce qu'il fallait faire. Ok. Ah, mais il y en a peut-être d'autres. Attendez, attendez. Oh oui, il y a d'autres rochers. Super. Oh là là, ah ouais. Les fans vont trop kiffer. Ah bah ouais, on va voir ta gueule partout à la récré. Ça va être terrible, hein, cette histoire. Ouais, mais là-haut, je peux pas monter, je peux pas. Je passe par où? Ça perd l'hippopète. Par là, regardez, mais il fait froid, il neige. Oui, cette région est riche en minerais de plomb. Il va falloir pas mal pour mon chaudron. C'est quoi ça? Allez. OMG, une vraie bombe. Ah ouais, oh my god. C'est bon, reviens. Ouais, je peux sauter là. Je peux sauter comme une grande. Attends, j'arrive, meuf. Attends, je vais en taquiner un, là. Il y en a un qui va sortir, je vais lui mettre sur la tête. Sur la gueule. Sur la gueule. Allez, rentre chez ta mère. Hop, là. Oh, putain. Non, c'était un coffre, il y a un méchant qui sort. Comme grâce à toi, je suis trop belle pour mes fans. Je te renvoie l'ascenseur pour les tiens. Ouais, je suis trop belle pour mes abonnés, moi. Et comme toi, pour les tiens. Et commentez, likez, abonnez-vous. Et partagez la vidéo. J'en demande peut-être beaucoup, là. Non? Non. Partagez? Il en reste combien sur la vidéo, là? 2, 3, 4, 5? Non? 6? 10? Je suis sûr que tous vous la regardez en entier. Allez, commentez alors sur ce que vous pensez de la quête, là, de la mission, voilà. C'était sympathique, je trouve. Franchement, ça change. Ça change, j'ai envie de dire. Donc, attendez. Waouh, ah ouais, d'accord, il y a le feu d'artifice au château, là, du coup, maintenant. Putain, mais c'est excellent, ce jeu. Est vraiment très très bien fait. Hein. Là, ça m'aurait pas ouvert. Je peux pas rentrer. Un morceau de sanctuaire. Ah non, je peux pas y aller là. Ouais, là, on peut pas encore y aller. C'est terrible, les amis. C'est terrible. Allez, on revient à Queen's Gate. Ah mais par contre, ouais, ça m'amène... Ça m'amène au plus lointain, là. C'est pas ça que je voulais, moi. Je voulais atterrir directement au château, en fait. Ah, écoutez, j'ai envie de vous dire, on va tester... On va tester la téléportation pour voir si ça m'amène au château. Ah, voilà, super. Et ma statue au milieu. C'est pas moi, ça. Si, c'est moi. Putain, je peux... Ça, j'ai vraiment envie de l'avoir, ce coffre-là. Il brille de toute beauté. On va mettre le dernier point. C'est l'heure de la castagne. Ah bon? Tu m'as ramené quelque chose? Ah, oh, ça fait rien. Ton sourire me suffit. Ok, donc j'ai un point
super. Et voilà, je vais mettre celui-là déjà. Puis c'est tout. Eh bien les amis, on va s'arrêter là devant... voilà. Devant la reine. Ça fait mal au cœur, hein. Franchement, ça fait mal au cœur. Je vais mettre mon plus beau profil à côté. Voilà, tranquille, là. Voilà, mon plus beau profil. Eh bien les amis, donc merci à tous pour avoir visionné cet épisode jusqu'au bout. Pour toi qui es nouveau ou nouvelle, pense à t'abonner, activer la cloche des notifications, ça fait plaisir. C'est gratuit, donc vas-y, lâche-toi, lâche ton plus beau pouce bleu, les deux gros orteils. Balance du lourd. Et pour tout le monde, eh bien écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, portez-vous bien, on se dit bye bye, à très bientôt, je vous aime à tous. Allez, ciao les amis, bye. We're playing bonkers and badasses, baby!